passer par les barrages comme, contre une équipe comme Lorient, gagner les 4 derniers matchs de championnat dans un calendrier terrible, faire des remontées. On est mené 2-0 à Sochaux. À ce moment-là, personne ne croit plus en nous. Mais bon, il y a des ressources incroyables dans ce groupe. On avait beaucoup de convictions. On était habité par l'idée qu'on pouvait le faire. Et je suis vraiment très, très, très fier de ce groupe, de mes joueurs. Je remercie le président de la confiance qu'il m'a donnée en me donnant les rênes de l'équipe en début de saison. C'était pas simple, j'étais en CFA l'année dernière. Et je suis content de lui rendre ça. Il est heureux et on est tous heureux, quoi. Je pense aux gens qui aiment l'Estac, je pense aux gens de ma famille, mon père qui est décédé. Tous les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui ont toujours cru en moi. Il me manquait que l'accession de Ligue 2 en Ligue 1. J'avais fait toutes les accessions depuis le CFA 2. C'est juste fabuleux, quoi. Ça a été long à venir, mais on dit plus c'est long, plus c'est bon. Et là, pour le coup, c'est vrai. Je pense à tous les gens qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, à ceux qui ont pensé mais qui ont oublié. Voilà, c'est juste fabuleux, quoi. L'année prochaine, on va jouer au Parc, on va jouer au Vélodrome, on va jouer au Matmut de Bordeaux. Bon, ma femme est bordelaise. J'avais été en contact avec les Girondins à un moment donné. Bon, voilà, je suis content. Mais on va savourer. Et puis après, le moment viendra de se préparer pour réussir au niveau au-dessus, c'est-à-dire réussir à se maintenir. Mais bon, d'abord, savourons, parce que les joies en football sont très éphémères et il faut en profiter un maximum.